Et bonjour à tous et bienvenue sur Unravel. Alors, condition de tournage un petit peu particulière, étant donné que je commente ce let's play en post-production. J'ai tourné ce jeu avec mon ami Anubis, Shibi Anubis, et on a joué sur sa Xbox. Donc on a utilisé le système d'enregistrement de sa Xbox pour cela. Malheureusement, on n'a que des rushs de 10 minutes, donc toutes les 10 minutes, vous allez avoir une coupure. Et en plus, j'entends dans l'oreillette que le son, malheureusement, coupe de temps en temps. C'est voilà, c'est un petit peu dommage. Vous avez également le jeu, les rendus bruts sont en 720p, on n'a pas pu enregistrer en 1080. Mais vous aurez, quand même la 1080 sur YouTube, mais en vrai, elle est un petit peu inutile, étant donné que les rushs originaux sont en 720p. Donc voilà, donc Unravel, super jeu, un puzzle game en coop. On l'a acheté avec Anubis et on y joue sur Xbox et honnêtement on s'est éclaté. Donc Anubis est en rouge, je joue en bleu. Vous savez que je suis un joueur PC de base, donc j'ai eu extrêmement de mal à me faire à la manette au début du jeu. Et puis finalement, il s'est avéré que voilà, on a eu un petit peu nos spécialités dans le jeu. On va voir ça ensemble. Mais voilà. Donc un jeu également très très poétique. La bande son, comme vous pouvez l'entendre en arrière-fond, est très très bonne. Voilà, donc là, par exemple, bon, j'avais pas très bien compris, mais en fait, Anubis donc pousse l'arbre pour que je puisse. Pour que je puisse monter. Donc là, il faut se monter dessus. Voilà, donc on peut également mélanger nos personnages et ils ont une masse plus élevée pour pouvoir casser certaines choses. Vous verrez un peu plus tard dans le jeu également que bah, lui jouant mieux que moi, il m'arrive souvent, c'est de me mélanger à lui pour qu'il fasse une phase de jeu sans que j'ai rien à faire en fait. Mais il n'y a pas... Enfin, il faut soit être deux pour pouvoir bien jouer, soit... alterner entre les deux manettes, enfin bref, voilà. Honnêtement, ce jeu, si vous y jouez, je vous conseille d'y jouer à deux. Vous pouvez jouer seul, mais honnêtement, il y a énormément de... On s'est vraiment amusé à le faire à deux, en fait. Alors là, voilà, j'avais pas compris, mais on peut se tirer l'un l'autre avec la gâchette... La gâchette droite dans mes souvenirs. Ça fait une semaine hein, que je n'ai pas rejoué. Ça fait une semaine que ces rushs ont été tournés. Et donc que je les commente actuellement. Alors là, je me souviens plus comment on passe ce truc. C'est ça, non, il faut que je me laisse... Voilà, faut que je me laisse tomber. Donc voilà, donc on va voir cette première mécanique-là. C'est en fait, Anubis va me maintenir et je vais pouvoir me poser un petit peu où je veux. Et surtout me balancer pour pouvoir me poser quelque part en fait. Donc ça, c'est une mécanique au départ, je vais avoir du mal à mettre en place. Et puis, il va s'avérer que je vais être un petit peu plus doué que Anubis pour manier cette chose-là. Non, franchement, on s'est extrêmement bien amusé à jouer à ce jeu. Alors, actuellement, j'ai les rushs de 3 épisodes. Donc, on n'a pas fini le jeu au moment où je tourne ce premier épisode. Enfin, où je commente ce premier épisode. Voilà, il a réussi finalement. Donc, moi, je le laisse faire. Et puis, on va utiliser le rappel. Voilà, on utilise le rappel, hop, pour me rappeler, enfin pour que je puisse arriver. Voilà. Et on continue. Pourquoi on s'était arrêté, peut-être qu'on avait une perturbation dans le jeu, enfin je sais plus.
Ah oui, alors donc là. Ok, ouais, c'est ça. Donc là, Anubis me remonte. Je sais plus. Ah oui, c'est ça, voilà. Et là, faut que je me balance pour. Voilà. Pour arriver. Bon, et puis là, voilà, il utilise le rappel, évidemment. Pour revenir à moi, vu qu'il s'est raté. Donc c'est assez bien parce que bon, faut utiliser la coop pour certaines mécaniques de gameplay, mais quand on se rate, l'autre en fait peut servir de point d'accroche, de point de sauvegarde quelque part, de checkpoint, et ça c'est vraiment cool. Voilà, alors ça, le wall jump, c'est un truc qui est super cool. Alors c'est Unravel 2, donc Unravel 2. Et en fait, je pensais que c'était Unravel 2, le titre du jeu, parce qu'on était deux à jouer. Or, c'est pas le cas en réalité, c'est Unravel 2, parce que c'est vraiment le deuxième jeu. Donc, il y a un 1 auquel je n'ai pas joué, mais on le fera peut-être ensemble, là encore, avec moi et Anubis. On le fera peut-être également ensemble. Et c'est le seul jeu console que vous verrez sur ma chaîne, en fait, enfin, pour le moment du moins. Alors là, au départ, on n'avait pas très bien compris la balance parce que c'est lui qui maintient la gâchette, alors que, en fait, c'est moi qui devrais maintenir la gâchette et vraiment gérer quand est-ce que je lâche. Parce que là, actuellement, je suis obligé de lui donner un top quand il doit me lâcher. Or, c'est pas très bon, quoi. Enfin, voilà, c'est une mécanique qu'on a. Au tout départ, dans les premiers tableaux, voilà, eu du mal à me prendre en main. Donc là, évidemment, voilà, je voudrais lâcher, mais lui, il lâche pas la gâchette. Enfin, voilà, on n'est pas très très bien synchro, donc évidemment. Après, c'est un jeu de détente. Le Canibus, honnêtement, il trace. Hein. Moi, je galère encore un petit peu avec la manette, donc je suis un petit peu à la bourre sur lui. Ces sauts là avec les cordes, au départ j'ai extrêmement de mal à le faire, à les utiliser. Mais finalement, au bout d'un moment, ça ira nettement mieux. Au bout d'un moment, j'aurais vraiment pris le coup de main. C'est vraiment le temps que je m'habitue à jouer avec une manette, quoi. En tout cas, m'accrocher à un Ibis, appuyer sur la gâchette de droite, ça je sais faire. Hein, ça, y a pas de souci, quoi. Dès que je vois que je me viande, j'appuie. Voilà. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que je commence vraiment à prendre le coup de main, de prendre de l'élan pour me balancer. Voilà. Donc, on a notre première coupure. C'est pour ça que, voilà, on a le menu qui s'affiche. C'est parce qu'on a été, voilà, on a été relancer l'enregistrement. Donc voilà, vous aurez souvent ce genre de choses, ben le menu qui s'affiche comme ça rapidement, c'est parce qu'en fait on vient de relancer l'enregistrement. Voilà, donc là ici ce passage il est un petit peu chaud parce que on a quatre balances, on va appeler ça comme ça, des balances à faire. Donc vous voyez, on doit se balancer comme ça 4 fois au total. Alors, je pourrais m'accrocher à Anubis et le laisser faire. Voilà, alors moi, c'est bête, je me suis raté sur le dernier. Sur la dernière balance.
Mais oui, donc je disais, je pourrais m'accrocher à Anubis et le laisser faire, mais on préfère le faire à deux parce que si au moins un des deux réussit, en fait, ça double nos chances de réussir quelque part. Donc on a préféré continuer à deux. À deux séparés, ce que j'entends. Voilà, alors nouvelle mécanique que j'avais pas bien compris. Et ça j'ai eu extrêmement de mal à comprendre le système. On peut faire des nœuds sur certains. Voilà, sur certains points d'accroche. Mais ça, moi, je galère avec les nœuds. Donc, ce sera essentiellement Dominique qui fera les nœuds. Et moi, j'en ferai vraiment quand c'est nécessaire, quoi. Parce que j'ai pas du tout compris la mécanique en vrai. Voilà, donc là l'idée c'est de s'accrocher pour faire balancier pendant que moi je passe. Donc voilà, donc hop, je prends la place pour faire contrepoids et là Anubis peut lâcher et me rejoindre. Cette petite phase-là m'avait bien plu avec le système de balancier où on doit faire contrepoids. J'avais bien aimé ce petit puzzle game. Il a été très très rapide à faire, mais je sais pas, celui-là je l'ai trouvé plutôt sympa à faire. Voilà, je me rate sur les wall jump. Voilà, alors là on n'a pas trop bien compris parce qu'on était sur une branche et en fait on n'avait pas vu qu'on pouvait. Et voilà, moi j'ai utilisé donc je crois X et bas pour chuter. Donc on peut chuter comme ça de plateforme en plateforme. Là, je me rends compte qu'au départ, je galérais vraiment avec les wall jump, moi. Mais bon. Là, je me suis viandé. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, voilà, c'est se mettre là et puis hop, voilà, se laisser balancer. Et réussir à attaquer, voilà, à accrocher les lianes. Donc moi évidemment, voilà, hein, quand je vois qu'Anubis réussit, bah, encore une fois, j'utilise la corde de rappel pour le rejoindre. Voilà, et c'est là qu'il y a un système de nœuds. J'ai pas tout bien compris en fait. Oui, on fait des nœuds et on s'en sert comme trampoline en fait. Mais j'avais pas bien compris le principe à la base. Voilà. Alors là, par contre, Anubis fait une petite bêtise. C'est qu'il ne décroche pas les deux nœuds sur le coup. Et donc, résultat, on n'a plus assez de cordes pour pouvoir monter. En fait, quand on essaye les wall jump là, la corde manque en fait. Voilà. Là, vu qu'il est descendu, j'ai un peu plus de mou, mais là, je peux plus avancer du tout. Et dès qu'il remonte, et ben moi, je me fais tirer parce que la corde en fait n'est pas infinie. Et mon personnage, en plus, voilà, il donne une indication. Il donne des indications comme quoi, voilà, les nœuds, faut les décrocher. J'avais pas fait attention à ces petites animations. Je les ai vues que là, en post-prod. Et honnêtement, ouais, les personnages ont des mimiques de. Voilà, donc, en fait, j'ai réussi à les décrocher. Je sais pas trop comment. Et puis, hop, donc, résultat. On va pouvoir utiliser. Voilà, j'utilise la corde de rappel pour le rejoindre. Et on va pouvoir utiliser les wall jump.
Donc là, voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est réussir à accrocher un nœud. Voilà. Donc, accrocher un nœud et... En fait, là, ce qu'il faut, voilà, c'est il faut ramener le bout de bois en haut. Grâce à... Mais voilà, mais on s'est emmêlé voilà, sur les nœuds. Donc, il faut que... Voilà, il faut que je fasse le nœud pour avoir du mou. Et donc que je ramène le bois. Mais au départ, on ne le comprend pas bien. Et on essaie de se servir de ça comme trampoline. Mais on dit, mais non, c'est pas possible. Puis je me dis, c'est là que je me dis, tiens, le bout de bois, c'est ça, on peut le trimballer. Donc on va se servir du, voilà, du rondin de bois pour pouvoir remonter en haut. Voilà, donc là il faut qu'on fasse chacun un nœud et j'avais pas encore compris comment on les faisait. Je vous dis, j'ai encore à ce moment-là, j'ai encore extrêmement de mal avec la manette de Xbox. Vous savez que les consoles, moi, c'est pas du tout mon truc. Voilà, donc là on essaye également de refaire un étage, mais les nœuds en bas, pareil, on les a pas décrochés, donc il faut d'abord les décrocher. Alors là, on a un petit moment de frayeur parce qu'il y a des pierres qui tombent et tout. Et donc, le jeu, honnêtement, est très très immersif pour ça. Niveau l'environnement, comme ça, qui se met à s'effondrer, tout ça, c'est vraiment bien foutu comme jeu. Honnêtement, voilà, que dire, la musique est bonne, les graphismes sont bons. Et l'histoire, on va en parler tout à l'heure. Peut-être pour le deuxième épisode, par contre, pas pour cet épisode-là, mais vous allez voir qu'en fait, il y a une histoire au jeu. Et qu'elle est plutôt pas mal. Donc là, Anubis a tout de suite compris la mécanique et moi j'étais complètement à l'ouest à ce moment-là. Je sais plus, je devais avoir regardé mon téléphone pour BBS ou un truc comme ça. Et puis oui, en effet, là faut se balancer tout bêtement. Donc hop les. Voilà. Voilà. Donc là encore une fois, on doit se balancer. Le problème c'est que si je me balance comme ça. Donc là on se dit bah c'est pas compliqué, il suffit juste que bah, on se mette en bas de distance, hop, je me lock et là je vais me laisser balancer jusqu'à la plateforme en face. Donc on se donne un top en fait parce que encore une fois bah, c'est lui qui maîtrise la gâchette alors que je devrais tout maîtriser de A à Z en vrai. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu long, puis là je me foire en plus, enfin, voilà je me. Voilà, donc on relance l'enregistrement, résultat. Et on refait un essai. Bah, puis finalement, c'est Anubis qui va essayer. Bon, puis qui va réussir du premier coup, bien sûr. Pour le deuxième. C'est vraiment con qu'on se soit raté au départ sur les gâchettes, voilà, que j'ai pas saisi que. Donc là, on s'est rendu compte qu'on avait glissé, qu'on s'était foiré. Mais au départ, on avait vraiment pas compris. On pensait que l'un devait maintenir la gâchette de sa manette pendant que l'autre se balance et donner le top, vraiment faire de la vraie coop, quoi. Alors que nous, en fait, l'autre n'a qu'à rester immobile sans toucher à sa manette. Et moi, je peux activer ma gâchette pour me mettre en mode rappel et donc me balancer.
Mais ça, on le découvrira qu'un petit peu plus tard, en fait. Donc là, voilà. Donc là, on attend un petit peu pour voir un petit peu comment on peut gérer la chose. Parce que, en fait, cette plateforme glisse. Voilà. Et donc, résultat, il faut se balancer, en fait, pour pouvoir atteindre la suivante. Voilà. Et donc Anubis n'a plus qu'à utiliser la carte de rappel pour me rejoindre. Donc là on s'est raté parce que simplement il y avait un truc, enfin il y avait un point d'accroche qu'on n'a pas vu, je crois. Non, faut se balancer, c'est ça, faut encore se balancer. Bon, là on n'a pas pris assez de mou. Voilà. Donc là pareil, maintenant c'est moi qui lock, enfin. Il se lock et puis hop, il balance. Et c'est là qu'on découvre, je crois, que les gâchettes, on peut gérer tout seul les gâchettes, en fait. Il n'y a pas besoin de l'autre pour gérer la gâchette. Pour gérer, en fait, le fait qu'on se mette en mode rappel. Donc moi je lâche, j'utilise encore une fois la corde de rappel pour le rejoindre. Et en fait c'est tout le temps ce genre de mécanique. Il y en a d'autres qui vont venir peu après. Mais c'est essentiellement le voilà le truc. Voilà. Alors là j'ai reçu un message. Et en fait, je me suis noyé comme un crétin. Donc voilà, j'ai juste pas fait attention et j'ai reçu un message sur mon téléphone à ce moment-là. C'est pour ça que je me suis noyé comme un idiot. Voilà, donc là, il s'est raté, donc je l'ai rattrapé. Enfin, je l'ai rattrapé. Voilà, c'est ça. Là, ça sent ennuyeux parce qu'en fait, Anubis s'est accroché. Et moi, je suis accroché à Anubis, donc faut vraiment pas. Voilà, si on se rate, on se rate. Enfin, s'il se rate, on se rate tous les deux. Voilà. C'est quand on était dans une situation un peu particulière. Hop, et là je saute dans le seau pour récupérer la lumière. Il saute aussi. Et donc on remonte avec le seau. Et on arrive à notre phare, à notre fameux phare. Et ce phare, en fait, alors je n'avais pas très bien compris, mais en fait, c'est un Nexus. Ce phare est un Nexus. C'est ici où on va sélectionner les levels que l'on va faire. Je crois de mémoire qu'il y a 8 chapitres, je crois, si je me souviens bien, à ce que m'a dit Anubis. Et on en a fait 7 sur les 8, je crois, enfin voilà. Donc il nous restera, je crois, un dernier chapitre à faire, donc que vous aurez, hein, mais il faut qu'on se revoie pour le faire.
Voilà, donc ça c'est le premier niveau. Donc moi j'essaye un petit peu de regarder un petit peu, moi j'essaie de découvrir un peu le jeu. Parce que je connais pas du tout, donc voilà. Donc voilà, donc je sélectionne le premier niveau. On a 26 minutes, donc je vais commenter aujourd'hui le premier épisode. Je verrai si j'ai le temps de commenter le deuxième, avant de vous le poster. Alors quand il y a des frises comme ça d'image, c'est qu'on a lancé un menu ou quelque chose comme ça. Certainement pour regarder le temps qui reste ou ce genre de choses. Voilà. Et donc là, on a une histoire qui... En fait, on va suivre une histoire qui va se dérouler à l'arrière. On voit un adolescent ou une adolescente, à mon avis, c'est une adolescente, voilà, qui essaye de partir de, je sais pas, on dirait une sorte d'hôpital. En fait, voilà, il y a une histoire qui est racontée, mais elle est extrêmement floue et... vraiment sujet à la libre interprétation, quoi. Donc, on sait pas trop ce qui se passe. Voilà, il y a une ado qui est en prise avec quelqu'un. Je sais pas trop si c'est une sorte d'orphelinat ou. Donc voilà, donc nous on fait nos puzzle games pendant ce temps. Donc là en fait on a notre Luciole qui s'est séparée. Et donc on doit la reconstituer, donc on doit se trouver à ces deux endroits-là en même temps. Et notre Luciole se reconstitue. Donc voilà, et donc nos actions ont un impact sur le. Alors, ça me fait penser à. Pas Limbo, mais il y a un jeu. Je crois que c'était même par les mêmes créateurs que Limbo. Où justement il y avait cette mécanique où on influençait sur une histoire. Mais qui était pas forcément. Enfin voilà, quoi. Quelque part, c'est un petit peu interdimensionnel, quoi. Parce qu'on n'est pas sûr que les personnages en question. Et conscience de notre présence et conscience de nos actions. Mais quoi qu'il en soit, on fait avancer l'histoire par nos actions. Voilà, alors là il y a une petite coupure et voilà, en fait on a fait une pause, on est allé manger et donc on reprend ici. C'est pour ça qu'il y a une coupure un peu nette. Honnêtement, les décors, ils sont magnifiques. Voilà, c'est un décor de ville, mais honnêtement, il est super bien fait. Il y a un petit effet de flou. Honnêtement, d'habitude, les effets de flou, c'est vraiment pour faire le, pour comment, pour cacher la misère en fait, hein. Utiliser le flou, c'est un cache-misère. Mais là, non, là, c'est l'utilisation du flou, mais pour vraiment donner un effet de profondeur. Qui met en évidence notre petite taille dans le jeu. Et honnêtement, c'est très très bien pensé comme truc. Voilà, donc là, faut se propulser
de l'autre côté de la paroi glissante. Voilà, donc là je galérais à passer. Ah oui, alors il y a ce passage. Ce passage, on a plutôt galéré. Je crois même qu'on a coupé. Parce qu'on galérait vraiment. En fait, il faut réussir à faire un nœud au-dessus de l'électricité. Ah oui, encore, c'est pas ce passage-là le plus dur. Il y a un passage similaire, plus loin, mais où en plus il y a une soufflerie qui nous embête, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc il y a un souvenir en haut que Anubis veut absolument récupérer. Voilà, donc je wall jump et puis hop. Donc finalement, il va essayer d'aller récupérer. Ouais, bon, voilà. Bon, on sait comment passer le puzzle game, mais Anubis veut vraiment récupérer ce souvenir. Pour faire le jeu à 100%, hein. Anubis est un petit peu perfectionniste à ce niveau-là. Donc voilà, donc il va refaire le nœud, évidemment, pour que je puisse le rejoindre. Sans risquer de m'électrocuter, et voilà. Donc j'explore un petit peu la map, hein. Je voulais voir s'il y avait rien de l'autre côté. Donc voilà, Anubis, je peux avancer, mais moi je veux voir l'histoire en fait. Je veux voir l'histoire se dérouler un petit peu. Anubis c'est pas du tout vidéaste, hein, donc voilà, lui quand il joue, il veut tracer. Et là j'avais pas compris à la base que ces trucs là c'était des ennemis, donc je l'ai pas vu au départ. J'avais pas du tout fait attention en fait, je l'avais même pas vu en fait le truc. Et ces ennemis vont être assez agaçants. Mais ceux-là, ça va pas être encore les pires, là. Ceux qui sont comme ça... Puis j'ai extrêmement de mal avec la manette de PlayStation, j'allais dire, non. De Xbox. Donc, voilà, donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'utilise le rappel pour éviter l'ennemi. Voilà, donc là je me dis, bon, Anubis est plus doué que moi pour éviter les ennemis, tout ça. Donc je me mélange à lui et c'est lui qui va jouer. Donc là actuellement il est le seul à jouer, moi la manette je l'ai lâchée. J'ai juste appuyé sur Y pour, voilà, pour que... Et donc le prochain coup qu'il faudra un puzzle game à deux, et ben oui, là on... Voilà, donc là il avait pas saisi qu'il y avait un point d'accroche. Donc il faut utiliser le point d'accroche pour se balancer. Donc la même chose, il y a un point d'accroche en haut. Bon, il se rate, mais il y a un wall jump possible. Donc voilà. Donc généralement, voilà, quand il y aura des ennemis comme ça, c'est Anubis qui va faire le relais.
passage-là, je sais plus trop comment il faut faire. Ouais, c'est ça. Donc ce passage-là, par contre, il faut le passer à deux, c'est ça. Donc là, voilà. Donc on se met là. Et donc là, il faut se séparer. Donc on va se séparer. Et il faut que je me balance. Donc je... Voilà. Donc bon, c'est Anubis qui veut se balancer. Voilà, pour passer le plot. Voilà, donc là, moi, je suis... Enfin, donc, on regarde à deux. Ouais, donc je me dis, voilà, on refusionne. Mais en fait, non, on va devoir redéfusionner parce qu'il va falloir qu'on fasse ce petit puzzle game-là à deux également. Enfin, je crois, il me semble. C'est ça. Donc là, il faut que je maintienne ça pour qu'il puisse faire le wall jump. Voilà, et donc moi j'ai plus qu'à faire le trajet inverse, puis utiliser la corde de rappel. Alors là je me dis, attention, on a de la route, est-ce qu'on risque pas de se faire écraser? Là Anubis me fait, mais non, pas de risque. Et puis vous allez voir qu'il y a une voiture qui va nous passer, mais à 2 cm quoi. Ça c'était... Je me suis dit ok. Bon, on voit quand même qu'il y a le plus d'habitude avec les manettes Xbox quand même. Voilà, donc moi je me suis pris le geyser en plein dans la tronche. Anubis résultat, il s'amuse aussi. Voilà, donc on voit encore les deux ados qui apparemment se sont échappés d'un... Je pense qu'en fait, ils se sont échappés d'un orphelinat ou d'un truc comme ça. Je pense que c'est ça l'histoire. Là, on s'est bloqué comme des cons. Et donc là, ouais, il faut que je me balance pour accéder à la poubelle. Sauf que je me rate. Voilà. Voilà, donc là, en tout cas, les balances, on commence vraiment à bien les prendre en main. On a vraiment ces trucs. Donc là, pareil, le skateboard, on... Donc là... Ah oui, alors là, je suis désolé. On a eu la coupure de l'enregistrement et on s'en est pas aperçu tout de suite. Donc vous avez raté un bout du jeu. Je suis absolument désolé. Mais bon, voilà, on passe le skatepark et puis on passe un petit jardin et c'est tout quoi. Donc on continue à traverser cette ville. Je suis désolé, ouais, donc vous avez raté une partie du puzzle game, vous avez peut-être raté 2-3 puzzle game. Mais voilà, on s'est foiré sur la reprise d'enregistrement. Vous avez peut-être raté 5 minutes quoi, pas plus. Puis moi je voulais absolument ce jeu sur ma chaîne YouTube parce que je trouve, voilà, détente. C'est un jeu détente, hein, comme j'aime les faire sur ma chaîne YouTube. Voilà, et là moi je me dis, voilà, il y a la route là, avec des voitures qui passent, est-ce qu'on risque pas... Voilà. Voilà, Anubis qui me fait, ouais, non, t'en fais pas pour les bagnoles, je fais, t'es sûr? Bon, ce n'est pas prise, mais bon. Voilà, donc là pareil, donc là, sur l'échelle on a des points d'accroche.
Et donc les points d'accroche, en fait, faut vraiment se balancer au point de, voilà, de faire un demi-tour complet. Ça, Anubis va galérer énormément. Ah oui, et là on a eu un glitch. Là on a eu un glitch, on a la ficelle qui est passée à travers le parquet. Et donc moi je me suis retrouvé à ne même pas pouvoir accéder à la bouche des rations pour continuer à... Donc il n'y a pas le choix, Anubis va devoir réussir à faire les balances. Mais le... Voilà, la corde a glitché à travers le parquet, quoi. Le truc improbable, alors qu'en plus, il galère à faire le balancier pour faire le demi-tour complet. Voilà, puis finalement, la ficelle se décroche et on peut utiliser le rappel. Mais là, la ficelle a glitché et c'était un petit peu agaçant. Voilà, donc là on a une espèce de canon. Donc voilà, donc Anubis va le maintenir pendant que je passe par-dessus. Enfin, va maintenir la grille pendant que je passe par-dessus avec le canon à air. Alors là, pareil, je crois que c'est un système de nœuds qu'il faut faire. C'est ça. Voilà, donc moi j'ai vraiment pris le coup de main pour les balances, pour les balanciers, mais Anubis galère un petit peu sur ce point-là. Bon, donc là on s'est foiré, mais on arrive à rattraper après. Voilà, donc un système de nœuds, donc c'est Anubis qui le fait à chaque fois parce que les nœuds, moi je galère. Voilà, voilà. Donc là, en fait, moi, il faut que je retourne le canon, voilà, et que j'arrive de l'autre côté pour faire moi aussi un nœud. Voilà, comme ça, on tend notre ficelle. Et on défait nos nœuds. Voilà, alors là, on a de nouveau les fameux ennemis. Donc je dis à Anubis, attends, je me mélange à toi. Voilà. Pour éviter que voilà qu'on soit deux et qu'on risque de se faire toucher. Donc là, actuellement, c'est Anubis qui joue. Alors, actuellement, il n'y a que lui. Moi, encore une fois, j'ai lâché la manette. Alors là, il y a un ennemi. Voilà, il l'a vu. Voilà. Alors là, ça va être assez agaçant parce qu'on va devoir être deux et c'est truffé d'ennemis. Donc en fait, là, ce qu'il faut, c'est... simplement, donc là, on va galérer un petit peu. Hein. Mais en fait, il faut monter cette grille. Voilà, il faut la monter à deux obligatoirement parce qu'on ne peut pas se séparer sur la grille. Donc, moi, je suis extrêmement prudent. Et Anubis fonce un petit peu tête baissée, lui. Donc malheureusement on va se rater comme ça deux, trois, quelques fois. Vous voyez, à chaque fois moi je suis prudent et tout, j'y vais doucement. Lui il fonce et il se fait avoir, quoi.
Donc je me dis, bon, vas-y, concentre-toi sur toi, arrive au bout, et puis j'utilisais le rappel pour me tirer jusqu'au toit. Voilà, donc là, il se met dans le coin. Alors là, il faut que je fasse attention à ne pas me faire toucher, et voilà, et l'idée c'est de se balancer. L'idée c'est de se balancer pour arriver de l'autre côté. Normalement là, Anubis est dans une zone safe. Mais moi, voilà, j'ai un ennemi, il faut que je fasse attention à ne pas le toucher. Si je le touche, je suis mort. Voilà, c'était tout juste, l'ennemi, je l'ai frôlé. Mais voilà, on est passé comme ça. Voilà, alors là, pareil, bon, on le fait à deux. Mais en vrai, j'aurais bien aimé, c'était me raccrocher à deux, à Anubis pour... Bon, voilà, là, c'est moi qui ai foncé tête baissée, là, j'avoue. Voilà, donc là c'est le passage dont je vous parlais tout à l'heure qui est assez agaçant. Parce que là on a en fait le même système de nœuds avec un courant électrique, mais il y a une soufflerie à droite. Et cette soufflerie elle va bien nous emmerder. Donc je crois même qu'on va couper arriver à un moment parce qu'on va, vraiment galérer. Et voilà, le pire c'est que là Anubis y était presque. En fait il faut se balancer et arriver au-dessus de la soufflerie. Là, on réfléchit, on essaie de trouver une solution. Parce que moi, le problème, c'est que là, si je saute, ben, je peux pas me balancer, je peux rien faire et je vais forcément tomber dans l'électricité. Donc là, bon, je vais me balancer. J'essaie de me balancer à droite, même si, voilà. Donc résultat, ben, je rentre dans le truc et je me... Et là, ce que j'aurais dû faire, c'est me utiliser le rappel pour pouvoir. Voilà, c'est ce que je fais. J'utilise le rappel pour retenter de passer de l'autre côté. Alors, on va essayer, c'est de passer. Voilà, je passe à ras. Voilà, je voulais essayer de me poser sur le nœud, mais la soufflerie à chaque fois nous pousse. Et c'est ça qui est assez agaçant. Bon, c'est encore raté. Voilà, donc là on a coupé, hein, enfin l'enregistrement s'est coupé, donc on a passé le puzzle game et on se retrouve juste après. Donc comme je vous ai dit, en fait, il faut passer par-dessus la soufflerie, réussir à faire le nœud d'abord à droite, puis à gauche, puis enfin voilà, on arrive à passer. Donc voilà, donc là on se rend compte en faisant les sauts qu'on a une soufflerie qui est mal placée. Donc là, bon, on arrive à comprendre, voilà, donc je rejoins Anubis. Qui se rate un petit peu, mais ça c'est rien. On s'est raté tous les deux en fait, mais bon. Voilà, donc on monte. Donc lui, il va sauter sur la manette rouge. Ou c'est moi qui vais sauter sur la manette rouge, je sais plus. Voilà. Comme ça, lui, hop, il peut sauter comme ça. Il passe par-dessus le... Voilà, hop, et il peut pousser le truc qui était dans le mauvais sens. Et donc là, bah voilà, on fait notre petit chemin et on arrive en haut.
Donc voilà, les ados, ils se réfugient dans une grange. Et c'est ainsi que se termine le premier niveau. Alors j'ai vraiment pris par contre voilà des rushs d'une heure. Donc il est possible que cet épisode coupe en plein milieu du prochain niveau, je suis désolé. J'ai vraiment pris les rushs et fait une heure de rush à chaque fois. Donc excepté le troisième épisode, je crois qu'il fera que 40 minutes. Je vous annonce. Voilà. Attention, ce jeu, je trouve même un poil poétique. Alors voilà, il y a une grille qui s'ouvre en bas. Et on a le cadenas qui saute pour pouvoir accéder à l'étage supérieur. Après, voilà. Anubis, lui, de son côté, fera le jeu à 100% pour récupérer tous les souvenirs et tout. Alors on décide d'aller voir, voilà, ce qu'il y a dans cette grille. Et en fait, en regardant, voilà, ce sont des défis en fait. Donc les défis, on sait pas trop. Les défis, soit on les fera à la fin, on les fera voilà en vidéo bonus, soit on les fera pas du tout en vidéo. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on ne les fera pas dans les médias. On met la priorité sur voilà, on met la priorité en fait sur sur l'histoire en fait. Petite grenouille. J'adore les petites animations. Donc là, il faut que je me balance pour accéder de l'autre côté. Ou c'est Anubis qui le fait, je sais plus. Oui, c'est Anubis. Donc là, même topo. Enfin, voilà, j'ai un doute sur le fait qu'on puisse passer, mais. Résultat, donc lui, en effet, faut encore une fois se balancer. Alors, je me suis arrêté juste 2 minutes pour voir un petit peu le décor, parce que je trouve que le décor est très beau. Anubis, ça l'énerve un petit peu quand je mets ces moments de pause là, d'arrêt justement exprès. Ou voilà, c'est juste pour admirer un peu le paysage. Anubis, c'est pas du tout comme moi à ce niveau-là. Lui, il veut vraiment, dans l'action, tracer un petit peu. Malgré tout, faire le jeu à 100%, mais. Mais tracé. Alors ça, c'est une mécanique que j'ai adorée. Enfin, c'est comme toutes les autres mécaniques, mais le fait que ce soit un petit camion et un ballon, ça m'a fait un petit peu. Enfin, ça m'a fait sourire. Donc voilà.
Donc voilà, et là donc on a des ennemis qui nous tracent, mais des ennemis qui nous cherchent, mais à tête chercheuse. Donc là on est un petit peu en panique. Voilà, et puis là moi je vais me faire avoir parce que j'aurais pas passé par-dessus la table, tout simplement. Donc la première chose que je vais faire, c'est... Enfin comment, on va réessayer une fois. Mais la première chose qu'on va faire, enfin la prochaine chose qu'on va faire, c'est... voilà, donc là... C'est bon, ça passe. Et je crois qu'Anubis a repéré quelque chose. Ouais, c'est ça, il y a un souvenir là-bas, c'est pour ça qu'il veut absolument le récupérer. Alors, vu que je n'ai pas joué au 1, il y a certaines questions que je me pose sur le jeu que, voilà, j'ignore, mais... Voilà, donc là, notre Luciole vient encore de se faire détruire. Donc voilà, la voilà répartie à deux endroits, et il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on la récupère. Et là, je pêche un petit peu sur comment la récupérer. C'est finalement Anubis qui aura la solution. Parce que là, voilà, moi je suis au bon endroit. Mais lui, Anubis, comment il peut y accéder? Ben, en fait, il peut pas. Ou alors, voilà, moi j'ai passé ma ficelle sur la table. Donc maintenant, j'ai plus qu'à pousser. Anubis se met à sa place. Moi, je fais demi-tour. J'utilise la corde de rappel pour me remettre sur la table. Hop, et là, voilà. On arrive à reconstituer notre Luciole. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt pour l'épisode 2.